Bonjour, bonsoir, bienvenue de retour sur Elden Ring. Et je vais me faire ouvrir les viscères. Je pense. Je risque fortement de rager dans les 10 minutes qui viennent. On y va. Sympa. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans les 10 minutes? Petit objet là. Vieille funéraire. Je m'en vais maintenant. Alors le but, ça va être d'essayer de buter le mage qui se trouve. Ils sont pas loin de moi là. Les cons. Un mage qui se trouve. Qu'est-ce que c'est ce bruit? Tu peux cesser s'il te plaît. Ça, c'est chiant avec les... C'est le truc chiant avec les squelettes. Il faut... Il y a bien une façon, en fait, de le tuer définitivement. Oh, quand il est en train de se reformer, le tuer. C'est quoi ce fouche? Quand il est en train de se reformer, on peut le tuer. Voilà, là, à ce moment-là, je peux pas. Maintenant. Voilà. C'est au moment où son corps se reforme. Ah, je savais pas ça. Ah, c'est ça que j'avais entendu faire. Attends, moi aussi, je fais un peu de magie. Allez, hop. Voilà. Putain, yes, j'ai réussi à trouver comment tuer les squelettes dans ce jeu. Voilà. C'est à ce moment-là. Cool. C'est tout, rien de plus? C'est pas compté comme un groupe d'ennemis, ça? Alors, où est-ce qu'il est, cet ennemi? Il était sur un... Là-bas. Il est là-bas. Je pense pas que je pense pas pouvoir descendre, en fait, d'ici. Au moins, ça me donnera une meilleure vue de comment y accéder. Ah! Oh, putain! Mais il va me faire sursauter à chaque fois, hein. Il a une vue! Tout droit là. Allez, allez, il se prépare. Ah, l'enfoiré. Il y en a plusieurs en fait, c'est pour ça qu'ils ont une. Ils ont un point de vue aussi impressionnant. Là, si je vise tout droit là. Il y a une croisée de chemin à cet endroit là. C'est la croisée de chemin qui est en dessous. Ouais, ouais, ouais. Donc il est juste derrière la croisée de chemin, en fait. Ah, mais il me voit plus de là. Voilà. Donc je pense qu'en fait, il était là. Donc je peux essayer de courser et d'aller le buter. Au moins après, on sera tranquille. Parce que putain, il est vraiment le, il est vraiment relou. Hein. Il a une vue plongeante sur tout. Mais c'est que des runes dorées 1 en plus. Mais c'est vachement pratique en vrai. Oui. Allez. Let's go.
J'ai fait peur au squelette. Là, je suis face à lui, au moins. J'essaie de l'avoir en vue. J'essaie de pas me le manger. Il y en a un deuxième, là. Ils sont bien deux, en fait. C'est pour ça qu'ils sont aussi difficiles à choper. Merde. C'est pour ça qu'ils sont aussi chauds à choper. Ah, je peux passer par là. Désolé, je passe. Non! Pardon. Faut bien faire un tour. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Là, j'ai pas peur. Je dors, mais j'ai pas peur. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Oh. Je me prends une flèche, je suis mort. Je l'entends. Yes. Pourquoi j'ai pas changé l'arme? Je suis vraiment un gland. Hein. Oh. Attention. Ouais, mais ça, c'est des carreaux classiques, je m'en branle, les carreaux classiques. Ah non, je crois que c'est un objet. Qu'est-ce que... Pas d'où il les tire. Je vais me faire le deuxième. C'est un arc normal. Si je l'enchaîne, il pourrait. Ok. Il en reste un. Je sais pas où il est. C'est toi? Ou c'est lui là-bas? Lui, c'est un cac. J'ai peur de ce qui se passe derrière moi. Et devant moi. Meurs. Yes. Il me regarde, l'autre. What? Il est peut-être tombé, en fait, celui du... Ah, il est en bas, là. J'ai envie d'aller voir ce que c'est, ça. Oh, juste devant le gros monsieur. Putain, t'es vraiment placé au pire endroit, toi. Ok. Osage de Fessard. Labyrinthe en ruine. Voilà, et maintenant tout le monde a repopé, c'est génial. Enlever ça. On va aller voir ce que c'est que le truc qui bouge, là. Oh, et il disparaît. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est jamais. Ah, il saute! Je peux pas le viser, hein, c'est pas un ennemi. C'est juste un truc super bizarre. Dire bonjour. Oui, il va sauter. Ah,
Ah mais il tue tous les animaux qui sont à côté. Et je peux pas te dire de te calmer. Ça fait plaisir à l'oreille droite, hein. Oh, oh, oh. Attention. Et il se déplace là-dedans. Enfin, moi, je sais pas ce que je peux espérer de ça. Je comprends pas trop. Il est bizarre, mais pas agressif. Et j'ai l'impression que je peux pas me monter sur lui. En tout cas. Comme ça. Oh. Genre il faut que je fasse une action, je sais pas quoi. Eh ben, après il fait un barou. Arrête ! Tu fais du bruit ! Croyez que... Genre, il y a moyen que... Faut venir. Tu lances une boule de feu. Ça fait rien. Putain, j'aimerais bien monter sur lui. Mais il est à 10 km. Attention les oreilles. Ah mais il y en a d'autres. Bah je sais pas ce que c'est que ce merdier. Il y a un truc tout droit sorti de Miyazaki. Oh. L'enceinte du mausolée. Du mausolée. Il y a un mausolée. Il y a un mausolée sur les bestiaux. Tu veux... Ah, hein ? Il y a rien là dans le coin. Ils arrêtent pas de faire joujou. Ah ! Ce mausolée ! Non ? Non, c'est plus un château qu'un mausolée. Lui aussi, essaye de taper les pieds. Okay. Une hache dentelée. Attention derrière. T'es relou. T'es relou. T'es relou, c'est officiel. Tiens. Tiens. Non mais t'as plus de vie. T'es pas genre. Oh merde, j'avais plus de vie non plus. J'avais pas vu. Pardon. On est... De toute façon, on est juste à côté d'un bonfire. Il y avait des Fiji aussi. Je vois où est les Fiji. Oh, la famille Po. Hihi. Oh, il s'appelait déjà Alexander, je crois. Jean-Michel Po. Mais il... Il se fout de ma gueule, il m'a TP à l'autre bout. Qu'est-ce que c'est que ce délire ?
Oreille gauche. Je vais peut-être faire moins fort quand même parce que ça hurle. Surtout chez vous en fait. Chez moi ça va, mais chez vous ça hurle. Bon, je vous laisse faire vos pas tout seul. Hein. Moi j'avoue. Non, mais je tape un scarabée, mais laissez-moi tranquille. Pourquoi ils sont aussi vindicatifs? Ah ouais. Ah ouais. Ah merde. Mais... Ah putain, ah ça c'est ça. C'est pas la première fois que je me fais piéger. C'est pas la première fois que je me fais piéger. Il fait le bruit. Il fait le bruit qu'il fait quand il meurt. Alors qu'il est pas mort. Et ça me perturbe tellement. C'est pas la première fois que je l'entends. Il fait un... Et toi tu fais... Oh, tu lâches la manette et en fait t'es pas mort. Je sais pas où est-ce que je vais en fait. Faudrait que je me les fasse un à un. Faudrait que je me les fasse un à un. De feu en vrai. Hein. Flèche hantée. Mais c'est pas la forme. Ça on l'a compris. C'est bon. Ok. Ah. Là, c'est pour récupérer du coup en fait une fiole céruléenne. Je trouve rien. Je trouve pas de trucs optionnels, de catacombes, de grottes. Je trouve plus tout ça. Oh, regardez, il y a des trucs, il y a des bizarreries, mais il y a pas de. Je suis chez les pots. Arbre monde mineur. Oh, oh. C'est là où je voulais aller. Ah d'accord. En fait, ils font un rituel. Tape le sol devant la romande. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est tellement un boss. C'est tellement un boss. Vous voyez que je... On le tente ou pas? Ça pue la mort, hein, mais... Je le tenterai bien quand même au moins une fois. Juste pour voir, juste pour me prendre une petite tatane. Puis après, go, quoi. Bute-le, comme dit. Je te trouve très confiant. Ah, il s'est retourné. Déjà, ça craint. Oh, il se fait enchaîner, par contre. Hein. Le pauvre. Laisse-le tranquille.
Oh, tout le monde ne s'est pas retourné. Oh, nice. Par contre, il est coincé. Ah non. Meurs. Ah non. Ok. Ah, il l'a tué. Oh. Oh. Oh, il est vénère, lui, hein. Ouf, juste à temps. Ok, il m'a redonné toutes mes fioles. Genre, toutes mes fioles. Oh. Oh. Vous en pensez quoi? Avatar de l'arbre monde. Wow. Qu'est-ce que tu fais? Ah. La musique est cool. Violon. Oh. Pardonne pas, hein. Ok. Ah, je m'attendais à avoir le temps de bouger un minimum. Ça craint. C'est passé. Allez, le one shot de l'avatar de l'arbre monde. Oh. Allez. J'y croyais pas. L'arme fissurée voilée de magie, de foudre, de sacre. Oh. Classe. Je suis à tes pieds, arbre monde. Un sens d'éclat à tes pieds, ça te fait quoi? Bien. C'est tout, j'ai zéro interaction, y a rien. Y a pas un début de quelque chose. Oh, y avait juste un boss. Enfin, y avait juste un boss. Y avait juste un boss. C'est cool. Mais je m'attendais à ce qu'il se passe au moins un truc quand même. Un arbre monde mineur. Bon. Tant pis. C'est fait. Le chat est tellement... il est tellement habitué maintenant à ce que je bats des boss. Même plus un GG, même plus un bravo. Même plus un... Oh de... hein. Il s'en fout. Non. Roule sur... Oh. Roule sur... Oui. Toujours 200 âmes à chaque fois. Ok. Eh ben, je suis arrivé au pied de l'arbre monde, je suis quand même content. Ah non! Attends. Si. Voilà, c'est le symbole, c'est ça, mais... Ça, c'est ça, l'arbre monde mineur. Ça, c'est le petit symbole façon map. Oui. Oui, voilà.
Enfin, c'est pas l'arbre-monde, mais... qui d'ailleurs est visiblement là-bas. Ok. J'ai envie, donc j'ai dit la prochaine fois que j'irai là, j'irai... Là, on peut aller là, à la limite. Là, il va y avoir des trucs. Là-bas. Là, il va y avoir... Obligé, il va y avoir des trucs. Là aussi, il y a un truc intéressant qui peut être sympa. Mais ce que je voulais faire, c'était ça. Ça, à la limite aussi. Et après, se diriger, en fait, vers ça. Le châtal. Enfin, ça semble être le truc de magie ou je sais pas quoi. Passons par le bas. Ouais, passons par le bas. Par le bas. Non, il doit... non. Je veux pas partir. Je veux d'abord juste finir la zone, voir s'il n'y a pas un petit... un petit truc pour save quand même, parce que... ça me semble assez bizarre qu'il n'y en ait pas. Il y a une statuette, mais il n'y a pas de... des arbres là qui sert à rien. On est d'accord, ouais. C'est un peu chelou quand même. La statue qui fait absolument pas peur. Il va y avoir un en bas là, de point de save. Non. Il fait marrer lui. Rien. Rien. Pas de point de save. Pas de point de save. Ah bah ça tombe bien, c'était dans cette direction que je voulais aller. On va aller tout droit, puis après, une fois qu'on sera sur le chemin, on passera vers la gauche. Et j'ai envie d'aller au fond du... ah oui, c'est vrai que c'était là. C'est vrai qu'il y a ça. J'avais oublié qu'il y avait ça. Je suis sur la bonne voie. Ouais, je suis revenu. Ok. Je peux pas entrer dedans. Bah écoute, j'ai fait le tour, il y avait rien. C'est pas l'arbre-monde, c'est l'arbre-monde mineur. Le petit. Mais c'était quand même chelou. Oh, je les déteste. S'il y a bien un ennemi que je déteste, c'est ces fucking libellules. On aurait dit un visage. Ouf. 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 Libellule. Non. Non, ça va, elles sont assez loin. Elles vont pas trop me faire chier. J'espère. Lui là-bas, par contre, il... ah ouais, non, mais non, mais... non, 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 non. J'y vais pas les mains dans les pockets. C'est mort de chez mort. On va retourner... non ! On va retourner ici. Et je vais reprendre toutes mes potions. Et là, on le fait. Bah, ça va, en fait. Hein. Niveau... en termes de... ça fait toujours bizarre quand ça réapparaît. Ah ! Quand ça réapparaît. Est. Là-bas. Toujours bizarre quand ça réapparaît l'herbe. Hop. Et après. Nord. J'y suis. Oula, je suis allé trop bas même. En termes de difficulté, ouais. Bah en fait. C'est ça le truc. Je pense que. Je pense qu'on touche du doigt à ce que pourrait être un défaut sur ce jeu-là. C'est que comme le monde... en fait, là où sur un Dark Souls classique, c'était beaucoup moins vaste, c'était beaucoup plus petit quand même, comme espace, on pouvait se permettre de faire une courbe de difficulté qui était un peu plus strict et un peu plus vénère. Mais sauf que là, c'est tellement vaste qu'on est obligé de mettre... c'est vraiment le niveau des boss se fait en fait aux alentours d'une zone
Et des fois, on peut tomber sur... comme tu es obligé d'étoffer un peu le lieu, on tombe sur 5, 6, 7 boss en moins de 3 heures qui ont tous plus ou moins la même difficulté, en fait. Donc ça rend le jeu un peu fade. C'est triste, mais bon... Il va tellement me casser la gueule. Ouais. Oh genre. Oh. Oh. Il protège un truc, non? Ouais. Il y a l'entrée d'un truc là-bas. Ok, il protège quelque chose. Bon, bah voilà, on a une zone explorée, c'est déjà ça. Du coup, bah ouais, ça rend le truc un petit peu répétitif. Que quand on prend un autre DS, bah ouais, c'était... en fait, c'était un boss nous ouvre à une autre zone. Donc forcément, la zone qui nous ouvrait pouvait être plus difficile. Et devait être plus difficile. Mais comme là, c'est du monde ouvert, ils ont tous plus ou moins la même gueule et plus ou moins la même difficulté. Je sais pas ce que vous en pensez. Yes, j'ai réussi à le prendre. Allez, abandonne. What? Ah oui, il peut crier. Merci quand même. Ah, il aime pas le trait de foudre. Il aime pas le trait de foudre. Chez. J'aurais pu le faire maintenant. Oh! J'ai plus d'endurance. Ok, c'est bon. Maintenant. Yes! Ok, fallait prendre son temps. Mais ça va. Ah non. Voilà, et là, du coup, il protégeait quelque chose qui se trouve ici. C'est des catacombes. Chaussée martiale. Catacombes. Oh, des couteaux noirs. Ouf. On en avait croisé un dans le début de jeu d'assassins de couteaux noirs. Ils étaient vraiment pas sympas. Enfin, il était vraiment pas sympa. S'il était tout seul, c'est ça le problème aussi. Ouh. Ouais. Oh. Ah, mais par contre, maintenant, je sais comment vous tuer. Voilà. Maintenant, je sais vous tuer. J'ai plus besoin de rusher. Parce qu'à un moment, il y en a trois dans mon dos. Ok. Alors. Hein? Personne dans mon dos. Hein. Non. Putsch! Vite, pour que je le touche l'autre en même temps.
Merde. Comment il a fait pour... Putain, il a recover de... Vachement vite. Oh la vache, ils sont rapides. Ah non. Oui. Ah. Non mais... Non, c'est pas juste. Attends, il faut que... Ils aient plus beaucoup de vie, les deux en même temps. Voilà. Salut. Ça va? C'est assez relatif, là, dans l'immédiat. Oh, ouais, non, c'est bon. Oh, la vache, putain. Salut, mon sus, comment vas-tu? Alors, toujours sur ton radeau? Yes. Comment c'est? C'est dur. Non, justement, c'est pas si dur que ça. Mais c'est bien. C'est long. C'est grand. C'est beau. C'est boche. Et qu'est-ce que ça fait ce soir? Dis-nous tout. Enfin, dis-moi tout, parce que j'ai un chat. Amorphe au plus haut point. Ils sont tous subjugués. Et comment dire? Yes. Et abasourdi par ce skill. J'ai pas entendu. Ah bah, je suis fatigué. Ah! Comment vas-tu? Allô? Ouh! Qu'est-ce que c'est en prouve? Bravo! C'est papy! Ouais, bah oui! Qu'est-ce que tu racontes de beau, je disais? Ah, attends. Je m'approche pas trop, on se les fait un à un. Et là, tout de suite, c'est beaucoup plus pratique. Voilà! Et putain. Et l'autre s'approche. Bon, avec un peu de chance, je vais taper l'autre en même temps. Ah. Ah putain, j'arrive pas à les tuer. Attends, mais ils reviennent systématiquement ou quoi? Je crois que j'ai l'impression qu'ils reviennent avec de moins en moins de vie à chaque fois. Merde, putain. Non, vite, 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 l'autre. Mais non, mais ils reviennent full vie à chaque fois. Qu'est-ce que c'est que ce délire? J'ai l'impression que je peux pas les tuer. Je peux pas les tuer. Ils veulent plus mourir. Avant, ils... Bonjour. Ah, à toi, par contre, je peux te tuer complètement. Oh, la salope. C'était elle qui invoquait les squelettes. Ah, on est dans ce genre de move. Ok. Ah bah rien, je suis toujours le même. Le connard qui stream et trash talk. Cours et ne les tue pas. C'est lui qui fallait chier. Faisait chier. Mais c'est pas la même mécanique que d'habitude. Vas-y, ouais, j'ai une clé de pierre. Une clé lame de pierre, on va l'utiliser. Des ennemis. Alors ça, c'est du squelette classique. J'imagine. Voilà. Là, il commence à revenir. Et on le tue. Voilà. Et là, c'est normal. Ok. Et là. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai gagné à dépenser une clé lame de pierre? Oh non, mais ça, c'est un truc de gros bœuf, ça. L'âge de Rossus. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Juste. Ah putain, l'âge de Rossus 5Q. Équipement. Elle est où? Elle est là. Oh, c'est une hache avec un attribut sur l'intelligence.
C'est une hache qui fait de la magie aussi. 18-18. Même j'ai pas d'intelligence, moi j'ai de la foi mais pas de l'intelligence. Oui, c'est moi. Ouais, mais non, c'est pas là, j'ai reçu 5 U. Parce qu'il y a une intelligence. Mec, sois honnête. Sois avec toi-même. Connard sur. Oh putain, ça me manque de pas faire des jeux avec toi. Mais là, je suis sur un gros truc aussi. Ils peuvent s'en prendre plein la gueule ou pas? Ah non, mais moi, oui. D'accord. Bon, allez, j'y vais, je peux pas. J'en peux plus de rester éveillé. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je comprends. Bah, faut faire Sea of Thieves. Ouais, mais je joue à un autre jeu. Et attends. Ah non, il y a un invoqueur. Il y a un invoqueur quelque part. Il y a un invoqueur quelque part. C'est un chant traditionnel. Népalais. Bah laisse-nous une soirée, fais pas yesh. Mais trop bien ce jeu. Il y a un invoqueur. Il y a un invoqueur, il va falloir que je... Parc je bourre. Il est où? Elle est où? Elle est où la pute? Ok. Into, 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 into. Parler au chat bordel. Ah non mais j'ai un chat contemplatif. Ce soir c'est un chat contemplatif. C'est vrai que j'utilise pas de la boule de feu là. Hein. Des crabes? C'est des crabes. Pourquoi il me file un ennemi nul comme ça au milieu de tout le monde? Ah. Ouais, j'aime pas trop ça. Ok, tranche de viande blanche. Je sais pas si je fais bien de tous les buter. Et là, en fait, à la fin, il y a Papa Crab qui arrive, c'est ça? Maman Crab. Attends. Ah non, c'est un muet. Ça, c'est une peur. Une violette funéraire. Eh, hey, ça pue pas un peu la merde, ça. Regardez. Vous le sentez ou pas le gros crabe qui a fait un meuh au milieu de tout là? Putain, il m'a pris pour un bac à douche lui. Chien. Ah non, ah non. Le crabe qui pop. Non. Ah mais ils sont... D'accord, ils sont entretués. Oh mais... En vrai ça va vite parce que du coup je sais qui buter maintenant. Alors, tac, on réactive la petite chaînette. Lui, on le fume. Une fois, puis la deuxième fois. La chaussure droite, puis la gauche. Et eux, on les défonce. Pas.
Ah, voilà. C'est là. Bah... What? Qu'est-ce qu'ils m'ont enlevé comme vie? Qu'est-ce qu'ils m'ont enlevé comme vie? Ah, j'ai dû me prendre une lame. Comme un crétin. J'esquive, j'essaye. Où aller? Donc eux, ils sont invoqués. Ils ont une flamme noire, on les voit. Putain, mais... Je vais avoir tout à l'heure, je me refais avoir maintenant. Ils ont une flamme noire à l'intérieur d'eux. Wouah! Lui, il a pas de flamme noire, il est pas invoqué, du coup, je peux le buter. Par contre, l'autre, là, celui qui s'occupe de faire popper les archers, je sais pas où il est. Hein. Alors, par contre, est-ce que les gros crabes ont repopé? Non! Ok! Est-ce qu'il reste popé? Non, c'est bon. Du coup, on peut passer tranquille. En fait, il fallait juste mourir une fois. Wait. What? Non. Tu vas pas me forcer à battre les machins pour ouvrir cette fucking porte, ça n'a aucun sens. Il y a un truc que j'ai raté ? Oh non, ça recommence, on va encore chercher pendant 300 ans. Là-haut. Mais on peut pas monter. Du moins pas tout de suite. Ou alors j'ai pas fait gaffe sur les autres. Oh, t'es sérieux? Mais depuis quand il fait ça lui? J'ai rien raté, hein. Là il y avait le fog blanc. Et là, il n'y avait rien, j'ai pas raté une échelle ou une connerie du genre. Un truc, c'est... Ouais. C'est... Oh! Si. Ah non, non, pas du tout. Ça, c'est les... Ah, je vois rien! Ah, pardon. Il est beau, ce mode pour Diablo. Oui. Ça, pareil, hein. Oui, ça s'ouvrira qu'une fois qu'on aura fini ce donge. C'est vrai que ça fait très... Non, ça fait plus Skyrim. Ça fait vraiment mode de Skyrim, en fait. Avec les drogueurs et tout. C'est exactement les mêmes types de catacombes et tout qu'on croise. Les drogres. Y'a rien. Je refouille un petit peu cette salle, hein, mais... J'espère pas grand-chose. Aïe! Ouais, non, j'en... Je vois pas grand-chose. Exploitable. Après, le seul truc que je pourrais voir, c'est là-bas. Quoi. Putain, quoi, j'ai pas envie de faire popper les scraps. Quoi. De toute façon, là, on est à moitié mort. Et je vois pas comment faire popper les crabes pourrait. Pff,
pourrait ouvrir d'une quelconque façon la porte, quoi. Remarque, à la limite, hein, on peut tenter, de toute façon. On arrive, on fait ça, on court. Et on voit, hein, mais non, là, ça bouge pas. Oh, putain! Ils se tapent entre eux, hein! Ils se tapent vraiment entre eux! Je vais essayer de les buter. Je fais popper les deux. Et dès que le deuxième pop, je monte l'échelle. Par contre, la lanterne qui s'en prend tout le temps, c'est chiant. Je devrais me donner plus de fioles de vie. Je vais le faire d'ailleurs. Je vais le faire maintenant parce que sinon je vais passer à 300 ans dessus. Je vais me donner une fiole de vie de plus. Alors, fiole. D'ailleurs, j'ai pas d'amélioration. Non. Non. Hop, 5-2. Voilà. Prot. On disait donc. Ça donne que 118. Hein. Meurs. C'est pas beaucoup. Yes, allez, le perfect. Attention à droite. Voilà, il a pas voulu le viser, c'est pas grave. Ok. Nice. T'as joué ce Chew à Skyrim ou pas? Malgré que j'imagine qu'on t'ait dit plein de fois. Skyrim, t'es nul. Avec ton équipe. Pas joué, pas d'aide. D'accord. Bah c'est bon, les deux sont apparus, j'ai l'impression. Je peux pas les faire popper ? Enfin, les faire venir ici. Comme ça, je leur les canarde de là-haut. Ah, si, je pourrais. Ah, ils sont un tout petit poil trop gros. Ah, si, ils passent. Oh, ils se tapent entre eux. Yes. Continuez ce moment. Nice. Fromager. On fromage le jeu. Merde. Je sais pas à quel point... Si. Non. Hop là! Tapez-vous entre vous! Tapez-vous entre vous! Voilà! Encore! Yes! C'est bon ça! D'accord. En dernier risque. Hein. Voilà. Pourquoi je parle de risque. Je peux peut-être y aller maintenant, en vrai.
ou pas. Ah putain, mais c'est pas possible. T'as même seul, hein. Même seul, il est dur, hein. En même temps, en 1v1 comme ça, face à face, sans pouvoir bouger. Petite chips comme moi, là, pyromancien. Je fais pas long feu. Pyromancien, pas long feu. Ah, il rise tout le monde. Ah. Aïe, dommage. À droite. Envie de me... Voilà, la flèche, je la sentais arriver. Ok. C'est bon. âmes déjà, vraiment? Putain. Va peut-être le, me le faire ici, en fait, hein. Voilà, hop. Yes. En vrai, à essayer de trop fromager, c'est pas fini. C'est... Oh. Bah ouais, c'est un crabe en même temps, hein. Mais non, on n'appelle pas ton destrier, connard. Oh, c'est bon, c'est passé. Fou. Des œufs de crabe. Et des œufs de crabe. Bon alors, c'était pas ça qu'il fallait faire. Bon, en même temps, c'était un petit peu trop... C'était un, peut-être un petit peu too much de dire... tuer tous les crabes. Peut-être pas assez réaliste, trop mécanique de jeu, plutôt que... Ça me semblait aussi étonnant que ce soit ça. Par contre, maintenant, ça nous laisse le champ libre pour pouvoir aller chercher. Je regarde sur le côté, là, je vois rien... Wow. Attends, on me dit pas qu'il faut monter sur la... J'y ai pensé à ça, mais... Attends, c'est pas ça qu'il fallait faire. Oh là 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 là. C'était ça qu'il fallait faire. Pour moi, ça me semblait être impossible. Dans le sens où... Bah, y a pas de... Y a pas de plat en fait. Putain, c'était ça qu'il fallait faire. Vu que la lame est pas plate, moi je me suis pas dit à un seul moment que c'était ça la solution. Je me suis dit j'allais glisser dessus. Bon. Alors il se passe... Oh non, ça va encore être ce boss là, là. Oh. Les gardiens.
Ah bah non, parce que je suis chez les assassins avec couteau noir. Ça va peut-être être un couteau noir quand même. Oh, on peut tomber d'ici. Ce serait trop marrant. Bah c'était un peu débile quand même, hein. L'énigme entre guillemets. Calme-toi. Lui il est pas invoqué, je peux le buter. Je peux pas être loin. Je peux pas être très loin. Oh. L'enculé. le mob qui pop quand tu t'approches de la sortie. Salaud Pio. Dégage. Ah. Un champi. Il y a un champi dans le monsieur. Le madame. Où je tombe? Mais ça pue du cul si je tombe, non? Ah, je suis de l'autre côté. Et là, et là, et là. Non, ça va. Et bon. Mais le... Il l'a pas pris pour cible. J'ai appuyé au moins 10 fois sur le bouton, il l'a pas pris une seule fois pour cible. Ok. Pas très gentil, ça. Et j'ouvre la herse. Et je vais pouvoir me barrer. Ok, allez, salut. Qu'est-ce qui se passe? On saura jamais, mais on saura jamais. Eh bah c'était un peu débile comme, comme énigme. En fait, s'ils avaient mis une petite plateforme sur le truc, ça aurait été beaucoup plus clair. Là, ça aurait pas été une énigme, certes. C'est quand même un peu crétin. 16 000 âmes, je vais me prendre un niveau. Et on est à un point, on est à un niveau de manier le sort de la mort qui tue. Enfin, c'était 33? Non, c'était pas 33, c'était plus que ça. Je sais plus combien c'est. Pas loin. C'est combien? Inventaire. Oh. 34. Il manque deux niveaux. Ah. Mmh. Je veux le manier, ce sort. T'en es où, Harry? Tu l'as bien poncé, le jeu? Il va dire oui, je l'ai fini. Est-ce qu'on a les cendres de page? Non, je dirais plutôt loulou. Loulou, c'est vraiment... c'est la valeur sûre pour tester. Pour testouiller. Il est fini de mon côté, dit-il. Bah putain. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe trop de choses. Ah, mais il y a 20 millions de... Oh non. Dégueulasse, dégueulasse. Il y a des squelettes partout. Ils ont buté mes loulous. Oh! Oh mon dieu, ça va être horrible. Ça va être horrible. Ok, donc, première... Bah du coup, les loups, c'est peut-être la meilleure chose à faire, en fait. Ça les occupe, dès le début. Mais il faut surtout pas, en fait, que je commence direct par me reprendre de la magie. Il faut juste que je les bute à la main. Faut que je bute à la main tous les squelettes. Et il est fini, d'accord. Putain, tu l'as...
Tu l'as poncé de ouf, hein. Quelle classe ? Quelle classe et quelle spé, on va dire, entre guillemets. C'était un tout petit peu abusé, là, quand même. C'était un tout petit peu abusé. Grand fan de Dark Souls, donc forcément. Bah donc forcément, bah ça dépend. Plusieurs possibilités. Mendiant ? Les vrais ? J'ai commencé mendiant, voilà, c'est ça. Et j'ai fait un build force. Ouais, grand classique. Très grand classique. Oh, t'es pas rigolo. T'as pas essayé de pousser un peu plus ? Oh. Quand tu veux. Oh. Heureusement, il est... Il a l'air d'être assez faible, l'ombre. Ok, c'est bon. Oh non, oh non, oh non, oh non. C'est dégueulasse. Oh. Ah oui, elle est très faible en fait. Ah merde. Je devrais... Tiens, je la finis à boule de feu. Tranquille. Allez hop. Cendre de sorcier bicéphale. Ok. Encore des cendres, donc. Le sorcier bicéphale. Faudrait que je les essaye tous, hein, un de ces quatre, quand même. Hein. Je peux les... Je peux l'invoquer... Non, je peux pas l'invoquer. Faudrait que j'essaye toutes. Ouais, bah, j'en ai bavé, mon dieu. Plus jamais mendiant. Baf. C'est un... Par contre, c'est vrai que là où, à mon avis, t'en... Ah, ils les refont. Ils le font popper. Ah, ils le font popper. Ah, ils le font popper. Ah, ils leur font popper. Mais je suis un gros couillon. Je me suis parmi ma magie. Attends deux secondes, je vais m'asseoir. On se la refait, on se la refait. Remarque, non, moi je l'ai déjà battu, de toute façon. Mais c'est marrant qu'il repop. Mais ouais, donc mendiant, en fait, t'es quand même vachement... Hey. Franchement, le mendiant de Elden Ring, il est quand même vachement cool. Hein. Niveau stats, ils l'ont rendu accessible à autre que les gars qui disent « Ouais, vas-y, je vais me la péter ». Ils l'ont rendu accessible à un mec qui dit « Bon, vas-y, on commence avec des vrais starts. » Mais par contre, le seul truc qui est chiant, c'est que comparé aux autres Dark Souls sur Elden Ring, le stuff, on le ramasse vraiment beaucoup plus rarement. Avant, tu trouvais du stuff partout. Partout, partout, partout.
Là, maintenant, faut le chercher, hein. Faut le chercher, le stuff, hein. Faut farmer le stuff, limite. Bon, bah, du coup, qu'est-ce que je fais, moi, de ça, moi? J'ai fait ces catacombes-là. On a fait l'arbre monde mineur. J'ai envie d'aller voir ce que c'est que ça. 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 Et après, on va se diriger, là. Plusieurs, c'est le stuff. Oui, c'est ça. Ouais. Non. Là. Voilà. TP. Qu'est-ce que... Ah oui, c'est vrai. Alors, je vais commencer par le 1. Il est où, le 1? Il est là-bas, le 1. Alors, dis-moi que je vais pas retraverser les enfoirés avec son arc, là. L'enfoiré avec son arc. Les enfoirés avec leur arc. Enchanté. Oula! C'est quoi ce bruit, j'entends? Oh! C'est joli. Ah! Oh. Ah oui, donc en fait, pour se rendre là-bas, il faut passer par en bas, c'est ça? Oh, relou! Oh, méga chiant! Le plus de mon build, je pense. Ah. Pourquoi ça dong-dong-dong dans ce beau mouche? À moins qu'on ait le TP. Boum. Bon, bah du coup, le 1, déjà, c'est non. Le 1, je sais pas ce que c'est. Il va falloir faire le tour et puis vraiment descendre par là. Par contre, le 2, j'y vais. Bah on va longer la falaise. Jusqu'à ce qu'on puisse descendre. Ok. Mais j'arrête pas de monter. Je veux descendre, je veux pas monter. Vous pouvez monter? Bah limite je ferais mieux de... Ouais non si, deux. Chut. Ouais qu'est-ce que... Non c'est moi. J'ai cru qu'il y avait un truc dans la falaise. Vous aimez l'oreille droite? Ah mais non non, c'est celui qui me donne une potion supplémentaire. Mais putain, mais je suis en train de faire un tour où là? J'arrive pas à... Enceinte du mausolée. Merde à la fin. Faut que je fasse un full nord, je crois. Nord-nord-est. Nord-nord-ouest. Ouais, non, full nord, en fait. Faut que je fasse un full nord. Je peux passer par la... là pour rejoindre le nord. Non. Attendez. Il y a un scarabée là, dans le coin. Ouais, j'ai entendu. Pierre de forge sombre 2. Sympa. Utile, toujours. Waouh. C'est où ça? Bah c'est là où je veux aller. Mais alors, pour descendre ici, c'est chiant, hein.
Faut vraiment passer par le nord, faire full nord, quoi. Et j'ai l'impression que je suis plus perdu qu'autre chose, en fait, quand je suis dans le coin, là, ici. En fait, il faut que j'aille là, d'abord. Ou alors que j'arrive à... Non! Faut que j'arrive à remonter ce truc-là, ou là. Donc faut que je longe la falaise de gauche, et que j'essaie de monter. Voilà! Salut, Doc Leon! Comment vas-tu? Je suis perdu. J'en chie sa mère, j'arrive pas à monter une falaise. Je suis perdu. J'espère que tu aimes le grave. Peut-être faut que j'arrive à monter ça. En fait. Il doit y avoir une entrée quelque part. Je suis sûr qu'il doit y avoir une entrée quelque part. Au pied de la falaise. Peut-être pas. Bah, je suis de retour exactement là où j'étais tout à l'heure. Je continue à longer. Il y a un moment où ça va passer quand même. Oh non, parce que là c'est un précipice. Je... Oh mais. Je continue de longer du coup ? Mais non, parce qu'après, là-bas, c'est la crevasse. Putain! Mais c'est pas... Comment on fait pour monter? Je sais plus. Il se passe beaucoup de choses en ce moment dans ma vie. Oh! Oh 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 oh! Oh, doucement, doucement. Il y a une pierre tombale, là, qui dépasse. Me dis pas que c'est par là qu'il fallait passer. Non! Non! Me dis pas qu'il y avait qu'un seul endroit dans le jeu pour y arriver, c'était par là. Oh, oh là là! Putain, c'était ça en plus. Il fallait passer par là. Il fallait trouver l'endroit du jeu. Avec un E majuscule. Pour savoir par où descendre. Alors là, franchement... Sur un open world, c'est vraiment dégueulasse. C'est vraiment pas bien foutu. Non, sur le chat. Ah, pardon. C'est l'aspect où il manque chat, j'adore l'ambiance. J'aurais tellement plus de vues. Bah, pff, je mérite des vues. Est-ce que je mérite? Est-ce qu'on mérite des vues? C'est... Certes, je fais du... Je fais un peu mon mieux pour... Pour présenter le plus de jeux, qu'on s'ennuie pas, tout ça. Est-ce que ça se mérite des vues? Après, c'est adorable ce que tu dis. Ça me touche beaucoup, mais... Je sais pas. Après, avoir plus de vues, ça veut dire partir à la pêche aux viewers, et j'ai pas envie d'en faire mon métier non plus. Pas que j'ai pas envie d'avoir plus de gens, mais c'est que j'ai pas envie de dépenser de l'énergie là-dedans. Mais bah après, tu sais, popularité. À part quand t'essayes de vraiment... Oh, une madame! Bonjour madame! You, please, I can read them. Your fingers. Oui, tiens, prends mes doigts, vieille madame. Montre. Mais pourquoi? All you can do is stand at a loss without even the half crescents that wish to be whole before the unmoving, unfeeling grand lift ahead. Je comprends rien à ce qu'elle dit. Ah oui, voilà. Mmh.
Voilà, donc en fait, elle vient tout simplement de nous dire « On peut pas passer, c'est protégé, si tu veux y aller et que tu veux vraiment tenter ta chance, faut descendre par là, par le passage qu'on avait vu justement là-haut avec toutes les pierres tombales. » Eh bah putain, c'est quand même vachement, c'est quand même sacrément dégueulasse d'avoir caché autant le passage pour pouvoir accéder à toute la moitié nord du truc, quoi. C'est vachement salaud, quoi. J'en ai chié, hein. Chercher, hein. Pour pouvoir l'atteindre. Par contre, maintenant, j'aimerais... Non. J'aimerais bien trouver un point de save. Je crois qu'on en avait vu un près de la falaise. De tout en haut. Okay. Je trouve que vous avez trouvé un fait. J'adore l'ambiance et j'apprécie beaucoup toi. Je trouve ça dommage que tu n'aies pas vu. Je fais ta promo quand je peux parce que je veux que les gens te découvrent. C'est trop mignon. C'est gentil. Mais bon, je forcerai jamais de toute façon quiconque à essayer de venir sur ma chaîne. Je laisse ça à qui voit. Vous êtes gros bouclier. Non, je veux pas. Quoi qu'après. Pas que je tarde trop à me coucher, demain je me lève super. Paf le monsieur. Double paf le monsieur. Désolé si les compliments te gênent, je te l'ai dit, mais promis j'arrête. C'est trop mignon. Non mais c'est super gentil. Mais c'est juste que... En fait, je suis partagé, je suis un peu partagé entre est-ce que vraiment je dois aller chercher des gens, est-ce que je les laisse arriver, mais les laisser arriver, tu vois que ça fait 3 ans que je stream. 3 ans quasi H24. Je veux dire, 3 ans, 700 follow, 5 personnes là actuellement. Bon. Très clairement, si vraiment j'avais été dans le professionnel, ça fait longtemps que j'aurais dû arrêter. Oh, il enchante son épée, l'enculé. Ouh, il va faire du dégât. Il va faire du dégât. Tiens, je te brûle. Tiens, je te brûle. Oh, allez, je t'ai arrêté. Ah ouais, mais par... le truc qui est chiant, c'est que par contre, je peux pas bloquer. Ah, par contre, c'est vrai que ça passe à travers les boucliers, ça. Ça, ils aiment pas ça, les chevaliers. Il m'aura même pas donné un coup. Bon, bah... des bisous, hein. Ça n'aura pas servi à grand-chose, hein, ton enchantement. Donc voilà, bah, je sais pas, est-ce que vraiment je dois... Mais voilà, c'est... Éthiquement, ça m'embête. J'ai pas envie de le faire. J'aime pas le faire. J'ai pas envie de dire « Eh, venez voir ma chaîne !» Eh, venez, on s'amuse, on fait des jeux vidéo. Les gens, ils savent, ils sont sur Twitch, ils savent qu'il y a plein de gens qui font du jeu vidéo. Surtout que moi, je sors pas plus que ça de l'ordinaire. Bon, j'essaye d'avoir une ambiance potable, pas trop toxique. Bon, même s'il y en a 2-3 qui s'y amusent. Un endroit qui fait bon à y vivre, et où je présente des fois de temps en temps des petits jeux indés. Moi ça me va, ça me suffit, mais est-ce qu'il y a matière à aller dire hey, regarde ma chaîne, je suis exceptionnel, c'est trop bien, oh, incroyable. Non, je pense pas. Oui, pareil, il est triste parce qu'il y a souvent personne sur les streams. Bah moi ça me rend pas triste, les streams où je suis tout seul ça me rend pas triste, les streams où je suis tout seul je me dis ah bah merde, ça plaît qu'à moi. Bon bah je stream pas, j'y joue dans mon coin. Mais après je suis pas triste de ne pas avoir des gens. Le jour où où on fera 2 viewers tous les jours pendant un mois,
Bon, bah, à ce moment-là, je me dirais, bon, bah, c'est bon, j'arrête. Je stream plus. Tant pis. Je trouverai autre chose à faire de mes journées. Il va se passer un truc, là. Oh, ta mère! Oh, aïe, 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 oh là, oh, pfff, oh, hé, 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 non, oh, non, non, hé, 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 oh, non, non, ah, 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 j'ai toujours pas trouvé de point de save, j'ai pas envie de voir nu, putain, mais il y en avait un juste, mais je me disais, ce serait trop bizarre qu'il y ait pas, qu'il n'y en ait pas un juste à côté de la porte. Oh, putain. Il m'a aidé à marcher. Non, ce moment, surtout, ça vient de voir que. Mes amis, surtout, du monde n'est pas lui. Après, ça dépend tellement de choses. C'est pas. Alors. Bon, on en parle juste après. Bah, YouTube. Bon, grosse discussion là. YouTube, en tout cas. J'espère que tu as kiffé cette VOD qui était, à mon avis, beaucoup trop longue. Non, je vais la couper. Je vais la couper, c'est pas possible. 2 heures de VOD. 2 heures de VOD, dont 1h30, où je cherche un truc. Où je cherche un passage à la con qui était caché. Non, je vais couper. En tout cas, j'espère, du coup, quand même, que tu as kiffé cette VOD. C'est le cas, n'hésite pas à partager, à mettre un pouce, à faire un like. Je te fais plein de bisous. Je te dis à la prochaine. Ciao.